Nous n'avons que quelques détails de la naissance promise du Seigneur, relatée dans les évangiles de Luc et de Matthieu. Dieu ne souhaite pas que nous nous empêtrions dans des détails sans fin, mais il veut se révéler simplement à tous les hommes. C'est pour cela que de simples bergers sont les premiers adorateurs de Dieu fait homme, Jésus-Christ. Célébrons-nous aussi cette naissance annoncée par les prophètes, naissance qui se réalisa avec la précision d'une horloge, probablement entre l'an moins 6 et plus 1 de notre ère. Rappelons-nous ces paroles de notre Dieu, ce que dit ma bouche, ma main l'accomplit. Naissance qui précède d'environ 33 ans la mort et la résurrection de Jésus, événement majeur pour l'humanité. Célébrons-la en nous séparant des fêtes païennes associées à Noël, à la fin d'année et au solstice d'hiver, relents du culte de Mithra qui avait imprégné l'Empire romain dès le second siècle et bien après sous Constantin, à l'origine de l'Église catholique romaine. En ce qui concerne les sages, astronomes et mathématiciens de l'époque, ils viennent, car ils ont constaté que son étoile est apparue suite à la conjonction de Jupiter, l'étoile du roi, et de Saturne, l'étoile de Judée, dans la constellation des Poissons. Conjonction relatée dans de nombreux écrits. Les mages ou sages viennent probablement de Perse et ont observé ce signe du ciel qu'ils attendent à cause du culte de Mithra pratiqué depuis 2 siècles environ. Mais les Écritures nous révèlent qu'ils repartent par un autre chemin, celui de la foi, celui de la révélation d'un Dieu parmi les hommes. Ils viennent poussés par la science et repartiront poussés par la foi, car seule la foi est agréable à Dieu. Ils offrent à ce petit enfant qui devait avoir entre 1 et 2 ans des présents au nombre de 3, ce qui est à l'origine des 3 rois de races différentes, connus de tous mais qui n'est pas scripturaire. Ils offrent de l'or, symbole des richesses terrestres, ayant la certitude devant cet enfant d'en avoir acquis de bien supérieurs, les richesses éternelles que les mythes et la rouille n'atteignent pas et où les larrons ne percent ni ne dérobent. L'encens, il le dépose devant lui, n'ayant plus besoin d'encens, pour faire monter vers Yahvé des prières incertaines. L'humanité découvre l'intimité avec Dieu parmi nous, Emmanuel. La myrrhe, symbole de la mort, elle était utilisée pour embaumer les corps à cette époque. Il la dépose aux pieds de celui qui vaincra la mort à Golgotha, réconciliant ainsi le monde avec lui-même. Voilà le but de cette vidéo, rétablir la vérité sur ce qu'on appelle Noël de nos jours et ce que nous croyons en Yahshua, nous appelons la naissance du Sauveur. Adorons-le de tout notre cœur, et si nous sommes partis sur un autre chemin, reprenons le chemin de la foi en Jésus-Christ, qui est aussi celui du salut et de l'immortalité.